Nous sommes actuellement dans un lieu de skate très très mythique. Ils ont mis des barrières pour qu'on ne puisse pas passer. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Vous avez la chance d'être parti toi qui est protégé de la pluie quoi. Bah non, moi non. Mais je vais devoir dire en fait. Oh le truc de baiser mon gars. On est la veille du départ, il est 9:10. En fait, on part dans genre 5h, hein, bref. C'est maintenant qu'on se renseigne un peu pour tout ce qui est départ un peu et organisation du trajet. Et c'est maintenant que Romain se rend compte qu'on va prendre l'Airbnb, mais seulement à 17h. Sachant qu'on arrive à midi à Lyon et que Romain a pris un sac, mais genre un sac de foot, mon gars. J'ai pris le sac que je prends pour aller à la salle ou. Un sac t'as peur, frère. Moi, il y a une bandoulière. Tu vas pas avec ça. Mais oui, mais ton sac, il est lourd, non? Oui. Je me disais. Mais en fait, je pense. Frère, arrête de me. Moi je me pose mon sac dans une ruelle, je prie tous les dieux qui sont encore là. Je le confie à SDF, tenez, prenez-en soin. Moi je sais qu'il bougera pas, rien. C'est pas le problème, mais tu peux faire. Tiens, vraiment des choses à dire finalement. Je pense pas, je pense que tout est dit. Ouais, ça peut l'air. Ça a l'air compliqué comme ça. Non, mais ça fait déjà 2 jours 32 qu'on est réveillé quoi. Ah ouais, je sais pas si celle-là je vais la sortir aussi. Va. Sans vouloir juger. Ça te dérange pas moi. Par contre, c'est très chiant ça. On va arrêter tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de notre TGV. Sa famille, dans sa vie. Et du coup là on arrive dans le Airbnb pour rentrer, genre c'est tout un truc, genre vous pouvez voir, du coup je vais vous montrer un petit peu. Là c'est pour mettre le code. Voilà, donc ça c'est le code pour prendre les clés. C'est un truc tactile de fou. 540. Ça marche bien. Pire, attends, on attend encore 5 minutes. 5 minutes. Putain, je dois pisser frère. Vu qu'on est rentré dans le train, je dois pisser. Oui, mais tu peux encore attendre 5 minutes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait de mal? Ça a marché! Ça a marché! J'ai rien acheté pour soir à manger, on doit bouger. Bon, du coup, petit room tour de l'appartement. Là, il y a l'entrée. Ici, du coup, première petite salle de bain. Voilà, salle de bain assez stylée. Petit miroir, petite chiotte, truc. Là, ça, ici, un petit frigo américain. Pas du tout. Un petit frigo là aussi. Là, un frigo aussi, un frigo là. Là, on a ici un petit lit. Petit canapé qui, pour le coup, pue bien la merde. Arrête, t'es dur avec. On a un micro-ondes, frère. C'est vrai que c'est ouf. On a des placards. Il y a des essuies. C'est pas indiqué que. Ah si, ils sont là, je suis con. Ils sont là. Ils sont bien mis en plus, ces bâtards. Ouais, le truc est carré, juste un peu chiant. Ok, non, c'est des faux. Putain, bah, je vais dire. Je vais devoir dire en fait. C'était mon sang, frère. On faisait 3-4, une avec tout. Bref, on va s'installer, j'ai pissé sa mère. Bonjour à tous. Premier réveil à Lyon dans le Airbnb. J'en ai me laver comme vous pouvez le voir actuellement. On a extrêmement bien dormi, vraiment. Un sommeil de qualité, mon gars. Aujourd'hui, il fait pas hyper beau à Lyon, voilà, comme vous pouvez le remarquer, il fait pas mal gris. Ce qui est prévu, c'est qu'on fasse les magasins. Comme ça, si on a des beaux vêtements et tout, on peut les montrer à tout Lyon et leur dire hey, regardez un petit peu le flottin, les dingues. Bref, c'est parti pour Lyon, pour des dingueries, des folies. Let's go! Thank you.
D'accord. Premier achat de Romain à Lyon. Un petit pantalon en velours tout beige. Qui va me faire un petit cul. Julien a tâté, il a dit que c'était bien. Donc moi, j'ai tâté, j'ai dit que c'était bien. Donc j'ai validé le cul. Alors les vélos c'est bien, mais non en fait, les freins sont rousses de ouf, ça marche pas, faut serrer les deux pour freiner. Les vélos de Lyon c'est pas validé les gars. Qu'est-ce que le petit Romain a acheté chez Citadium, le fou? Ce magasin est incroyable en vrai, je connaissais le nom, Romain ne connaissait pas du tout. Et en vrai, il n'y a que des beaux fringues là-bas, c'est archi miteux. Regardez-moi ce, regarde, flex un peu, flex. Non, mais c'est pas flex pour 85 balles. On prend une trotte, on se dirige vers maintenant le Vieux Lyon. Vieux Lyon qui est donc le Lyon de l'ancien temps. Profitez-en mesdames et messieurs puisque c'est le dernier vlog avec cette caméra là. Alors en vrai j'ai tellement changé de caméra cette année que honnêtement je sais pas à quelle caméra j'en suis. Profitez-en dernier vlog avec cette caméra qui m'aura reçu pendant quand même moins d'un an. Moi je dirais au revoir surtout à cette autofocus de merde qui m'oblige à le faire manuellement. Et moi cette vue, regardez-moi cette vue là. Regardez-moi la vue de Lyon, la vue est magnifique, ce plan sur moi est dégueulasse. Regardez-moi cette vue incroyable là, on est quoi coup où là. Bon du coup comme c'était prévu dans le planning, on va d'abord aller à la Fourvière et ensuite on ira à Vieux Lyon. On prend une trotte, on se dirige vers maintenant le Vieux Lyon. Du coup là on cherche un endroit de comment monter à la Fourvière pour avoir cette vue incroyable finalement. Faut aller à la station de métro Vieux Lyon. On va prendre la ficelle, autrement dit le funiculaire, le truc qui monte. Ouais. Dès que je fais un plan un peu stylé, tu ralentis frère. Flou. Oh, j'en ai marre de cette caméra. Mission, prendre un ticket de métro. Bon, je tire mal cadré, je vais faire un truc un peu stylé, mais j'ai très mal cadré par contre, donc on s'emmerde, hein. C'est pas la phase la plus passionnante du vlog, en vrai, je vous le dis directement. C'est vraiment pour nice. Enfin, ce qu'on a, quoi, c'est juste, voilà, on a pas le choix. Je pense un peu dans le voir, c'est magnifique. Maintenant c'est un tunnel. Ah, mon plan est niqué maintenant. Je sais pas si t'as manqué mais j'ai un bête de flow aujourd'hui. Oh accès, il y a du soleil et des nanas. Bon, on est vraiment sur un vrai bail là par contre. Oh, la musique qui va avec et tout. La vue devant nous. Oh le truc de baiser mon gars. Du coup vous avez vu les plans de la ville, voilà, c'était clairement une magnifique vue, c'est validax hein, clairement. La Fourvière c'est validé. 8 sur 10 au moins minimum. Du coup maintenant on va enfin visiter le Vieux Lyon qui était à la base en premier sur la to-do list et qu'on a mis en dernier. Là que tu sois fou tout le temps frère, on est mort. T'es flou à 24 et je fais un truc parce que la caméra n'a pas de focus. Mesdames et messieurs, bienvenue au McDonald's. Aujourd'hui on fait une petite vidéo dégustation. Je me suis équipé de petites chicken nuggets qu'on peut voir juste là. Ensuite j'ai pris ce qu'on peut appeler finalement des wavy fries qui sont donc ceci. Donc c'est des petites frites comme ça floues du coup, mais voilà. Bon, c'est le Julien du montage. Je suis sûrement en train de vous dire, attends, mais ils ont pas du tout visité Vieux Lyon en fait. Ils ont oublié cette destination qui est un incontournable de Lyon finalement. Et non, en fait, on l'a visité dans cette séquence là. Voilà, là actuellement, on est en train de visiter Vieux Lyon. Et d'ailleurs, durant le séjour, on est allé plusieurs fois dans ce coin là sans savoir que c'était Vieux Lyon. Il fait dégueulasse. Oh putain, on est à Paris ou. Énorme. Ça veut mouiller. Légèrement là, on est. Vous avez la chance, c'est une partie de toi qui est protégée de la pluie quoi.
Bah non, pour le coup là non. Et là tu as un... Ouais. Oh mais c'est fou, t'es trop si lent. Là on est à fond là hein. On est à 6, j'ai rien, j'ai appuyé à fond. Et Julien. Non, on est à 4. Avec un chi. Nous sommes enfin arrivés au parc de la Tête d'Or, mesdames et messieurs. Parc qui n'est pas juste un parc, qui est aussi un zoo gratuit, libre d'accès à la populace de Lyon et de Navarre. En vrai, j'ai surtout envie d'aller voir les cerfs. Pas la serre, l'animal, le cerf qui fait des. J'ai toujours allé voir la serre, le lieu finalement. On va voir la serre, et voilà pour. Merci. De rien. Mec. Oh, si tu veux. Petite ambiance tropicale. C'est mon élément là. Nous sommes un peu dans la serre finalement, c'est un peu le lieu propice à de nombreuses agressions. Oh merde. Bah c'est bien, c'est bien. C'est ton Freud, c'est bien. Putain! C'est l'agent ici. Wesh, wesh! Il est chaud? Un jour, un fric. Oh mec! Tu me manques! Là, c'est dommage que t'es pas bien posé parce que la luminosité est folle. Trouve pas? Oui. Ouais, hein. Sweet dream the body. Just like the J'ai pas failli tomber. En fait, c'était fou. C'est fou, hein. Parce que. Ah, développe, vas-y, développe. C'est fait. Non mais en vrai c'est fou parce que comme par hasard on veut y aller, comme par hasard se ferme. C'est un complot ou quoi? On vient à un parc avec des estivales. Estival en hiver. On a un hôtel par contre. Vraiment. On a vraiment un hôtel à faire. C'est quoi ça? C'est la serre ça aussi? Ça, c'est ce qu'on appelle un bon gros pain d'épices. Rien à voir. Ça pue la. Ça pue la merde. Ça pue la merde. Oh oui. Ah oui, ça pue la merde là. Non, non, mais non, mais non, mais frère! Tout à fait. Mais je suis sûr, c'est toi, tu m'as marché dessus. Jamais de la vie. C'est pas de la merde, là, c'est bien. T'as goûté. Je pense que tu t'es frotté à des bails dans la serre. Je me suis frotté à toi. Quand tu pues le caca, bah ça. Putain, il y a vraiment du caca, genre. Les copains, il y a du caca. Le caca de toute la ville. Hey, c'est, du c'est beau là, l'image. Non. Je pue ça. Tu pues la merde aussi. Tu disais, t'as la merde. En vrai, je comprends pas. Juste, je comprends pas, moi j'ai fait ça. Et ça, je passerai un petit coup d'éponge à la maison. Oh, viens, on passe par là. C'est ça, ça? Mais c'est il y a un petit pont. Oh, l'escargot, frère. Guette le bail. Viens, on l'écrase. L'enfant bizarre. On le noie. Mais t'es un ouf, frère. T'es l'enfant maléfique dans Toy Story. T'es Sid. Oh, puis j'en lis. J'ai sur mon arrière, c'est chaud. C'est pas Sid, ça. Tu parlais de qui? Sid dans Toy Story. Le gamin bizarre là, qui t'a fait les jouets. J'avais aussi un signe, mais pas le même du coup. Oh, cascade. Il y a une balle de golf. Non, on la prend. Non, ça va. C'est pas une balle de golf, frère. C'est un fruit. Mais c'est que ce fruit, frère. Il est parfaitement rond. Fais un chute dedans. Mais je vais essayer de lire tout. Ta gueule, frère. Mais baisse ta mère, toi. Pardon, Valérie. Je vous apprécie beaucoup. La forêt, c'est mon domaine. Ça peut être dégueu en été quand tu fais un peu de tout, t'as capté.
Voilà. Nous sommes actuellement dans un lieu de skate très très mythique. C'est vraiment un lieu plein d'histoires autour de la skatosphère finalement. Étant donné que nous sommes bel et bien aux 25 marches de Lyon. Du coup c'est un escalier avec du coup 25 marches qui a été sauté par très peu de personnes. Beaucoup ont essayé, très peu, je pense personne n'a réellement réussi. Malheureusement ça a l'air un peu inaccessible. Ils ont mis des barrières pour qu'on ne puisse pas passer, puisse pas descendre là-bas. T'imagines frère qu'il y a des mecs qui saute ça en skate mon gars. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis en train de faire l'outro alors que je lave une tête. Ouais, mais ouais, y a un bon plan un peu stylé là. Du coup, je vais la refaire. Bon, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Merci à Romain d'être venu avec moi à Lyon, mon rêve de toujours. Venez à Lyon, invitez-nous. Comme ça, on peut faire un truc ensemble et tout. On peut se voir, on peut se capter, faire. Abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu évidemment. Ciao les petits potes. Demain on a 1h15 de vélo frère. Allez. Ça pique. Ouais, allez bonne nuit.